Donc le projet PRIMED, c'est une tentative de collaboration très forte entre institutions universitaires italiennes, marocaines et d'autres pays en vue d'améliorer le dialogue transméditerranéen, mais surtout se concentrer sur des questions très pratiques comme la prévention de la radicalisation, par exemple, l'exchange d'expériences sur les processus de transformation des relations entre les pays, entre les populations, donc à niveau des jeunes, de la population marocaine en Italie, en Europe en général. Et on a l'objectif, le but de, dans plusieurs années, pas seulement faire de la recherche, mais surtout faire beaucoup de formations et de formations réciproques. Pour mieux se confronter avec ces questions. Donc, on commencera avec des masters, des écoles des hautes études. On aura un winter school qui concerne la police pénitentiaire de deux pays. On aura des processus, des rencontres à niveau économique, des entrepreneurs, des formations sur les questions de finances transfrontalières, économie transfrontalière. Et dans chaque différente université, il y aura des activités différentes. Dans cette université, surtout la collaboration au niveau du droit, d'économie, de sociologie, d'anthropologie, etc. Moi, personnellement, nous, on a la tradition à l'Université de Padoue de s'occuper surtout des religions, des sociologies des religions, des sociologies de l'islam. Et donc, la thématique dans laquelle on se concentre surtout, c'est l'islam européen, donc les transformations énormes, extraordinaires, très intéressantes, très rapides de l'islam européen, et qui passe à travers la présence des populations marocaines, entre autres, parce qu'en Italie, on a la principale communauté marocaine d'Europe, et donc affronter ces questions et les effets de feedback qu'il y a aussi dans les pays d'origine.